Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve mercredi matin. Il fait super beau comme vous pouvez le constater. On a des enfants tout prêts et qui jouent dehors. Il n'y en a pas d'autres je crois. Ou je ne sais pas où est-ce qu'ils sont rangés. Bon, il fait encore frais. C'est un truc de fou. Amaury, tu laisses là être tranquille. Oui, je fais juste ça. D'accord, ok. Mais il fait encore frais. Mais il fait beau, ils peuvent jouer dehors quand même. Donc là, ils sont en train de jouer dehors. La puce, elle cherche... Tu cherches quoi, en fait, ma puce? Bah, je sais pas. Cherche dans la grande cabane, comme tu dis. Moi, je vais aller monter mon vlog. J'ai bien dormi cette nuit. J'ai l'impression que eux aussi. Donc, c'est cool. On est tous bien en forme. JB est parti au boulot. Je ne sais pas quelle heure il rentre ce soir. Normalement, il rentre. Tout n'est pas encore fait au niveau des blocages sur le boulot. Ça se trouve, il n'y en aura pas. Papa, bon. Oui. Oui, normalement, il rentre ce soir. C'est cool. Bon, allez, je monte ce vlog. Puis après, je ferai à manger pour ce midi. Moi, bon, ici, ça s'est levé de la sieste pour les petits. Tiens, donne-moi ça, j'ai toujours. C'est la prise du goûter. C'est quoi ma puce? Tiens. Mia. Attention, Mia. On met bien la serviette. La cocotte de lait. Hop, Mia, ça. Ici. Oui. Tu peux mettre sur ta serviette. Hein. Attention ton verre. Je viens d'avoir un appel de mon médecin. Alors c'est celui qui me suit pour ma... pour mon problème avec mon travail, ma dépression. C'est vrai que je commence à aller un peu mieux. Mais j'ai mon médicament qui allait arriver. J'irai après, j'ai mon linge à enlever. Maman, ça va? Oui, qui allait arriver à la fin, quoi. Il me reste que jusqu'à la fin de la semaine. Donc là, elle vient de m'appeler pour faire une téléconsultation. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc elle fait mon ordonnance pour mes médicaments. Ce qui est bien, c'est que. On a une pharmacie chez nous qui est juste en face de chez le médecin. Donc, en fait, elle va scanner mon ordonnance directement à la pharmacie. Et moi, j'ai plus qu'à aller là-bas et récupérer mes médicaments. Comme ça, ça évite tout contact. Et comme elle dit, on évite au maximum les déplacements chez les médecins s'il n'y a pas vraiment de raison. Et au final, notre raison, c'est... Enfin, moi, j'ai besoin de ma renouvellement. Et c'est vrai que j'ai pas forcément besoin de la voir en direct. Hein. Parler au téléphone, c'était largement suffisant. Donc, voilà. Donc, je vais attendre que JP sera rentré et puis j'irai à la pharmacie récupérer mes médicaments. Elle nous redonne un petit peu de paracétamol aussi parce que c'est vrai qu'on en a pu. Et on était quand même malade dernièrement. Donc, j'ai pas envie de me retrouver en rase si on retombe un peu malade. Donc, elle va m'en donner aussi. Et puis, voilà quoi. On a décongelé du pain hier et je me rends compte qu'on a oublié de le prendre. Il est tout dur. Je vais peut-être faire du pain. Oh, je sais, je vais faire du pain perdu avec. C'est cool. Hein, fera du pain perdu pour demain matin au petit déjeuner. Tu vois, vous allez voir, c'est vraiment bon. Je fais pas souvent ça. Faudrait que j'y pense. Mais voilà, c'est un petit mercredi tranquille. Il y a eu jeu toute la matinée dehors pour les petits bouts. Là, franchement, s'ils veulent aller dehors, ils peuvent. Hein, regardez, il fait super beau. Il y a un grand soleil. Magnifique. Ma voix revient à peu près. Quand je m'entends parler, je trouve que ma voix est bizarre. Ma voix est bizarre? Non. Non. Ta voix est normale. Elle est normale? Je trouve que t'as rempli toute ta voix. Ah non, moi je le sens quand je parle, je le sens bien, c'est pas ma voix normale. Il y en a pas un petit peu, hein. Ouais. Un petit peu, là. Mais en tout cas, c'est quand même mieux que le dernier jour où on m'entendait même pas parler. Bon, je viens de passer à la pharmacie, j'ai pris ma petite attestation, j'ai sorti. Voilà, 10 minutes dehors. C'est la première fois que je sors depuis... le confinement total de lundi de la semaine dernière, donc ça fait une semaine et demie que j'étais pas sortie de la maison. Ça fait quand même du bien et il y a personne. Ça au moins c'est bien. Chez moi là dans mon village, j'ai dû croiser une voiture, donc c'est cool. La pharmacie tout était fermé, passe par une boîte là. J'ai même pas, tout était déjà prêt en fait avec l'ordonnance, le paiement, tout ça. Enfin j'ai même pas eu besoin de donner ma carte vitale. Ça c'est super. Donc maintenant j'ai mes j'ai mes médicaments pour un mois et mon ordonnance est renouvelable pour 3 mois. Donc ça, c'est cool. Ouais. Et j'ai une boîte de paracétamol. C'est cool aussi.
Je vais pouvoir ranger tout ça. Donc là, moi, je suis tranquille pour un mois pour mes médicaments. Ce soir, je suis fatiguée. La JB est rentrée du travail, c'est pour ça que je suis allée à la pharmacie. Il a la douche. Je regarde ce que je peux faire à manger ce soir. Je pense que j'allais regarder ce que j'ai pris au congèle. Parce que là, j'ai presque plus de frais. Ce serait que des trucs congelés maintenant. Des trucs frais que j'ai congelés moi-même. Puis voilà, il faut que j'aille faire pipi. Absolument, ça m'a pris quand j'étais à la pharmacie. Voilà. Oui, mon chat. T'inquiète pas, t'as des croquettes. J'ai même pas entamé le paquet que j'ai acheté aux courses avant le confinement. Donc, ça va, ils sont raisonnables, les chats. Alors, ce soir, on mange quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps. On mange des buns que j'ai acheté il y a une semaine et demie. Alors, vous, ouais, peut-être que vous avez jamais mangé, mais avec papa, on avait déjà fait. Nous, c'est des burgers et les enfants, c'est jambon, ketchup, fromage. Maman, tu peux me mettre. C'est méga bon. Tu veux de l'eau? Oui. Avec un peu de salade. Maxence, il a pris du céleri rémoulade avec. Maman, il adore ça. Je vais en racheter aux prochaines courses. Maman, elle a fait trop de moi, ça. C'est à toi. Bon, on est le soir, là, je vais me coucher. Oula, il fait tout nuit. Bientôt, vous allez me revoir. Voilà. Bon, il est minuit passé. Avec JB, on se regarde la saison 15 de Grey's Anatomy. Parce qu'en fait, il l'avait toujours pas vu. Donc là, on s'est regardé quelques épisodes, puis on va se coucher parce qu'on est crevé. Puis en même temps, il est minuit passé. Demain, JP retourne au boulot. Les enfants, il y a école, tout ça, on se lève. Enfin, c'est pas les vacances, quoi. Donc il faut bien se coucher aussi et essayer de pas se coucher trop tard non plus. Même si c'est pas trop le cas en ce moment, on a tendance quand même à être fatigué et à se coucher plus tôt. Donc demain, JB va au boulot, c'est sûrement sa dernière journée, parce qu'après, il aura sûrement pas besoin d'y retourner, parce que ça va être d'autres qui vont prendre sa place. Il faut un roulement, et après ça veut dire qu'il est confiné à la maison, comme nous, voilà. À voir combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Finalement, on a eu de la chance, c'est qu'il était au travail, et puis qu'à chaque fois, il est rentré. Normalement, demain, ce sera pareil que les derniers jours aussi, il va partir. Il rentrera peut-être dans la soirée, mais... Elle va pas rentrer trop tard non plus. Oh, il y a la fatigue là qui pointe le bout de son nez. Bon allez, moi je vais vous laisser pour cette journée. J'allais faire un gros dodo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo. Oui mon chat, je viens de lui foutre un taquet. Ça fait toujours plaisir. Bon allez, je vous embrasse. Bye bye.